Bon, la Tunisie accueille aujourd'hui un événement de grande envergure qui est la conférence mondiale pour les indicateurs des télécommunications et de l'ICT. C'est un honneur pour la Tunisie d'accueillir ce genre d'événement. Cela témoigne de la confiance qu'accorde l'Union internationale des télécommunications à la Tunisie. Pour nous aussi, c'est l'occasion d'abord de confirmer notre collaboration étroite avec l'Union internationale des télécommunications, mais aussi participer à la dynamique mondiale en faveur du développement de l'ICT dans le monde. D'abord, je me réjouis que l'index au niveau mondial a progressé. En ce qui concerne la Tunisie, nous sommes 99e sur 176 pays. Notre score a progressé, on est passé de 4,70 à 4,82. La remarque principale du rapport, c'est que les investissements que la Tunisie a fait, surtout au niveau de l'infrastructure, ont permis cette progression. Nous avons encore beaucoup de travail à faire et c'est l'objet de notre stratégie Tunisie Digitale 2020. Nous travaillons sur un certain nombre de projets qui vont permettre l'année prochaine certainement d'augmenter le score de la Tunisie. Nous travaillons sur des sujets comme l'Internet des objets, comme le Big Data, et notamment ces indicateurs-là vont être pris en compte dans les prochains rapports. Cela constitue pour nous un avantage concurrentiel par rapport à d'autres pays, étant donné le grand investissement de la Tunisie dans ces domaines. La Tunisie compte beaucoup sur la coopération avec l'Union internationale des télécommunications, d'abord pour œuvrer ensemble pour le développement de l'ICT dans le monde, et aussi pour faire de la Tunisie un hub régional dans les nouvelles technologies et pour soutenir les efforts de la Tunisie pour améliorer son infrastructure numérique, pour améliorer ses indicateurs. J'espère que la notation de la Tunisie pendant les prochaines années sera encore meilleure.